Salut à tous les amis, ici The Fantasio 974, plus connu sous le nom de Fantasio. Je suis en compagnie de toute l'équipe de Vampire Saison 2 qui sont des stars, des superstars, on les adore, c'est nos amis. Hello. On est chaud, on est là, on va sucer, on est sur la même map que la dernière fois et aujourd'hui le soleil brille sur la ville de Townsville grâce au super villageois. Comment ça, oh merde? Non, rien. Excuse-moi, non, vas-y, continue ton intro, vas-y, je t'en prie. Un grand classique. Alors, en fait, si tu veux, il doit être de la. Il y a une espèce sur notre serveur, c'est les gens qui se déconnectent quand le rôle n'est pas assez bien. Je pense que Porto fait partie de ce genre de... Non, et c'est bon, on a déjà voté, j'ai pas envie de crever. Pour lui des débuts, comme ça lui apprendra de parler pendant les intros. Pas mal, pas mal, je suis partant. Je veux parler. On est là, on est beau, et dès le début, et je tiens à dire, pour la beauté du twist, et donc je vais commencer, hein, que je suis villageois. Encore une fois, j'ai pas de chance. J'aurais bien voulu avoir des super pouvoirs, moi. Il est chiant à dire tout dans son rôle. Eh ben, je le dis, parce que tu joues la full franchise, et après, tu te délectes quand les gens se rendent compte que tu avais des... Non, moi, je dis tout le temps que je suis innocent, mais je dis pas. Ah, tout le monde dort, on ferme sa gueule. Merci. Exact. On n'est pas obligé de fermer sa gueule quand on dort, c'est quand on est mort, mon petit Porto. Exactement, Béli, exactement. J'ai envie de dire que voilà, c'est le principe. Hey, vous un faites homme... trop de bruit, j'arrive pas à dormir là. Un homme honnête n'est qu'un Judas en attente, c'est ça qui est bon. Bah oui, mais c'est ça, en fait, il est en train de conditionner votre état d'esprit. Le jour où il sera vampire, il vous dira « je suis villageois » et il aura réussi à vous avoir. Ah non, le jour où je serai vampire, je leur dirai « je suis vampire » et là ils seront guacqués mentalement. Je pense que c'est que ça arrivera et qu'on vaudra pour toi. Le mec encore qui vampire, non mais c'est bon, arrête de vouloir toujours me tuer. Qui dit je vote vampire. Parce que t'as pas parlé, c'est la première fois que tu parles et t'as lâché un petit rire gêné. Tu n'as pas écouté, c'est différent. Chose que c'est tu fais souvent. Oh là là, les vieux. Oh les disputes de vieux couples, ça va? Vous avez vraiment besoin de vampires pour vous sucer ou tout va bien? Non, je suis l'innocent. Il n'a absolument rien dit, donc je propose pareil, sorcière. Toujours, mais oui, toujours. Je peux même pas dormir tranquillement, ce sont des hommes. Écoute, tu peux toi-même te mettre le feu, tu nous ferais gagner du temps, merde. Moi, je suis en train de prier pour pas crever une seconde fois. Il est où, prie où est l'essence, merde. S'il vous plaît. Alors, il reste 12 secondes. J'espère que vous avez bien visé la tête de lit. La tête de lit. C'est mal barré, là. J'espère que Fred ne s'est pas trompé. Je donne des petites astuces pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous ne connaissez pas encore les règles de Vampire, regardez la première saison et ensuite rejoignez-nous. Comme et vous verrez qui est mort. Ah, oh, Pépito okay. Ah, Pépito, et c'était l'oracle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça t'apprendra à l'ouvrir ta gueule face à moi. Allez. Allez hop. Moi, je pense qu'on devrait éliminer toute cette haine un peu, parce que moi, ça me va pas. J'ai moi qui dis, il y a des enculés, parmi-vous. Bon, alors, Porto est trop salty, donc moi, je vote pour lui, je préfère vous dire. Ah bah, moi, je vote pas pour lui, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je vote pas pour lui? Pourquoi? C'est parce que si il a dit « ah non » pour son rôle, c'est que c'est certainement pas un rôle de vampire ou de prince d'étonnement. Ah, ouais, parce que c'est le meilleur rôle pour les Kiko. C'est possible que ça soit un simple péon, effectivement. C'est peut-être un duo Porto-Fantasio, du coup. Hein. Généralement, ils sont pas trop contents quand ils sont villageois ou fidèles. Il n'y a aucun intérêt à débusquer des... Ouais, mais vous ne connaissez pas, moi, c'est peut-être parce que j'aime pas être vampire, c'est tout. Je tiens à dire que je suis très déçu. Je préfère faire connaissance avant. Je suis très déçu parce que je ne peux pas voter contre moi-même et vous mettre un guac infini, psychologiquement. Du coup, je sais pas. Moi, je pense que... Voilà. Bon, il y en a marre, là. Non, mais il y en a marre, là. Arrêtez, putain. Bon, bah, je vote pour Porto pour me sauver. Là, c'est juste pour me sauver, parce que... Votez gueule, putain. Mais ah bah, du coup, je vais mais en fait, voter. Mais en fait, mec, on s'est fait, inviter. Non, alors, voter Gus. Ouais, c'est gentil de nous avoir invités pour qu'on se fasse dénoncer. Voilà, c'est ça. Je vais voter pour Roi Louis parce que je l'ai pas entendu depuis le début. Oh bah, moi, je suis jaloux de ton mug Netflix, mon petit. Le problème, c'est que... Figure-toi que j'ai toujours perçu, ça m'énerve. Attends, Roi Louis, défense. Je peux pas trop dire mon rôle parce que sinon, ils vont me tuer et j'ai pas pu voir ce que je voulais. Oh, bah t'es l'insomniaque, d'accord. Roi Louis, t'en as déjà dit beaucoup, je pense, donc tu peux y aller, là. Mais à ce fuck, quoi.
Eh ben écoute, moi je vais vous tromper. C'est tout ce contre la volonté du peuple et je vais voter Ténébi parce qu'à ce niveau-là c'était une blague donc c'est ça fait toujours dit. Voilà. Je peux continuer dans la blague, je peux me défendre en disant je suis pur, je ne suce pas. Alors, t'as déjà fait ça maintenant, on peut pas. Oui, adieu, gueule. Les potes, changez votre vote, je vous en supplie. Tu peux pas écrire, votez-moi lui. Ah, merde. Allez, maintenant tu fermes ta gueule. Ah, il y aura pas de merde. Et maintenant, attends, Guz est mort et du coup, avec Guz, la démocratie est morte aussi. Oui, c'est toujours comme ça que ça se passe. Rip la démocratie. Mais attends, mais t'as vu comme t'es salti. Le gars, il est sauvé encore. On vient de perdre un villageois et il l'insulte quasiment. Quoi. Eh, tu veux être le prochain? Ah ouais, je veux bien voir. Protège-moi, le prêtre. Protège-moi. Viens voir, mon gars. T'inquiète pas. Je pense que le prêtre est allé se servir sur le cadavre de Guz pour prendre sel nécessaire à la protection de la maison. Du coup, il a répandu dans la porte. Je pense que là, le prêtre, il a aucune idée de quoi faire. Ah bah, il a saucé au pif. Il a raison. Alors le prêtre, rappelons-le, protège en mettant, en cliquant sur la pancarte de la maison. Et il peut se protéger lui-même, le prêtre. C'est bon à savoir. Il y a quelqu'un qui pleure. Oui, c'est qui là qui... C'est moi. Là, c'est soit il pleure, soit il pleure, soit il se fait sucer, mais dans les deux cas. Après, les deux sont pas incompatibles. Le problème, c'est que comment ça se fait qu'on voit pas les noms quand ils se promènent la nuit? Parce qu'en fait, je vais sentir l'anonymat. On dirait que je me fais sucer aussi. Ouais, j'ai pas vu. J'ai pas vu de où ils sont sortis. Du coup, vous aurez la game. En... Oh là là. Il y en a qui insistent, dis donc. On est bien, on est bien. Est-ce que c'est une provocation de la part... Non, tu veux voir une vraie provocation? Du coup, Pépito, ça va? Toujours mort? Ta gueule. Je vous parle de l'enfer. C'est ça. 7 secondes. Oh, allez, serrage de fesses. Qui va mourir encore, là, cette nuit? C'est terrible. Le fantôme de Pépito qui me hante, qui me spoil la fin d'Harry Potter. Serait... le fantôme de Pépito dans une porte, encore une fois. Je vais venir prendre des gâteaux. Hein. Roi Louis. Roi Louis, je pense que t'avais trop parlé. T'as pas été assez discret. C'était, prêt, c'était ouais. Plus sage de garder son rôle secret au maximum. Je regrette. Surtout quand tu peux spot les ennemis, quoi. Oui, c'est ça. Parce que je voulais pas qu'il me tue. Là, du coup, il y a ni l'oracle ni le prêtre, ça devient galère, quoi. Ouais, je me sens de plus en plus seul face à des vampires. Non, il y a le prêtre, il y a plus l'oracle. Ah, le prêtre. L'oracle et le insomniac. Excusez-moi. Et ben dans ce cas-là, il n'y a pas de mystère. Il faut voter au pif, brave Jean. Et pour ça, il faut voter MJ Maillard. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Moi, ça me paraît bien, MJ Maillard, deux fois de suite. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu Monsieur Big Boy. J'ai envie qu'il dise un truc. Que Bob. Je peux raconter une blague. Je trouve que Bob parle énormément, ça marche pas. Argument. Je crois même que s'il meurt, il fermera pas ta gueule. Alors, brave Jean, je vous regarde droit dans les yeux et je continue sur le conditionnement du dernier épisode. J'avais dit que j'étais villageois, j'avais dit la vérité et je répète que je suis villageois. T'as et maintenant, vous allez pleurer dans votre propre échec alors que les vampires. Non, c'est un vampire. C'est un vampire. C'est un vampire. Parce que moi, je crois Bob Lennon. Moi, je pense que c'est un villageois. Et je dis que c'est Porto. Moi, je pense que le conditionnement. Je pense que Bob, c'est un villageois. Non, mais déjà, les morts, ça parle pas, alors vos gueules. Arrêtez de. Ah, j'ai perdu, j'avoue moi. Que là, j'ai du mal à savoir. Alors, je pense que le conditionnement, et vous savez quoi, je veux bien mourir juste pour vous prouver à quel point vous avez tort. C'est à ce point-là que je suis. Non, moi, je pense que c'est Crane. Pourquoi non, je n'en ai aucune idée moi, à l'heure actuelle. Alors, mais je sais pas. Mais ça va se faire, ça va se faire. Je depuis le début. Là, c'est une affaire dont je vais regretter. Attention, vous allez voir, je vais vous montrer comment meurt un villageois. Je rentre dans ma maison. Je pense que Bob est là. Fanta, au final, pas villageois. Faites pas ça, les amis, je suis sûr. Moi, je pense que c'est Crane, honnêtement. Vraiment, Et du coup, si Fanta dit que Bob est un villageois et que Bob est un villageois, c'est que c'est mais pas non, mais non, ça. Je dirais plutôt Ténébi. Mais je le crois, quoi. Donc, oh là là, le changement sur Crane, et changez pas. Ouais, non, c'est bon. Moi, j'ai voté Bob. Non, justement, à mon avis, t'es pas coupable. De tous ces crimes horribles qui s'est perpétré. C'était Maya. La joie qui souhaite la mort là. Oh là là, je pense pas que ce soit Crane. Honnêtement, je pense pas. Que ce soit... Alors attends, on peut changer hein. Ah trop tard. C'est possible de changer. Ah ben non, là c'est fini.
Et c'était le prêtre. Et le prêtre est sénile parce que le prêtre a voulu protéger l'insomniaque. Il avait une personne en tête, mais il n'a pas reconnu la voix. Il s'est trompé de pseudo. Donc voilà, le prêtre était vieux. Et le prêtre. Je suis sûr que c'est pas Bob, quasiment, parce que. Pour d'accord. Le coup. Attends. Bel argument, coup, bel argument, je prends. Voilà. Parce que là, je suis sûr que c'était pas Bob, parce que. Voilà. Bah, si tu me laissais déjà finir. Pour ça, il faut que tu finisses tes phrases pour que je laisse finir. Non, mais déjà, la dernière partie, tu as dit que tu étais villageois. Là, tu continues dans ta lignée. Puis la prochaine fois que tu seras vampire, c'est ce que je disais, c'est que tu diras que tu es vampire pour essayer de nous faire croire le contraire, alors qu'en fait, tu es vraiment vampire. Donc, tu es vraiment dans le mindage. Bah oui, mon mind game, moi, je joue en 5 dimensions, s'il te plaît. Moi, je joue pas où, je joue quand, c'est ça. En fait. Oui, c'est pour ça que je suis sûr que tu es villageois. Merde. Bon, voilà, c'est la grosse. Mais si toi tu serais villageois, tu viens de découvrir un pote. Ouais, c'est bizarre. Bon, voter les mecs, je vais sûrement mourir. D'après vous, qui est le vampire? Il reste qui concrètement? Je sais pas. Alors moi je pense faut à faire Maillard, tabulation pour ça. Maillard, B-Boy, Porto et Tenebi peut-être. Alors toi tu vas mourir. Alors Porto il bouge parce qu'il parlait beaucoup au début et après on l'a plus entendu. Vachement menaçant le gars, n'empêche. Porto là il est vachement agressif. Hein. Mais je suis tout le temps comme ça. J'ai sans doute été. Dans sa gueule, le dire. Ah, ce fantasio a été retrouvé mort. C'était Van Helsing. Dans son dernier souffle, il va emporter Porto. Quoi? Mais n'importe quoi, mais non, mais. Putain, mais c'est pas possible ça. Porto mais, franchement, mais vous êtes con dans ce village. Putain. Ah non, par contre, c'est au pif. Hein. J'ai dit Porto au pif. Ah, Porta, d'accord. Bah, après, veux... Oh non. Oh merde. Oh là là là. C'était l'autre. C'est le villageois qui arrive devant la maison qui se prend une balle. Il s'appelle toi. Le Van Helsing. C'est le dernier. Brave Jean, je tiens à dire que c'est plié. Je vous regarde, Maillard, B-Boy et Télébi. Étant le dernier villageois, je sais qu'il y a le fidèle corrompu, le vampire et le maître de Donc, attendez. Moi, je vais sur la place principale du village et j'aimerais savoir, au moins avant de mourir, parce que là, il n'y a pas de mystère. Voilà, il n'y a pas de mystère. Votez pour moi. Veut dire, tuez-moi comme une reine, s'il vous plaît. J'aimerais juste savoir qui était le maître des ténèbres, qui était le vampire et qui était le fidèle comte. C'est moi. Écoute, je suis la princesse des ténèbres, j'avoue tout. Oh la salope. J'avais raison, fallait brûler la femme. Fallait brûler la femme, putain, personne m'écoute. Oh allez, sois heureux, tu vas être sucé à toutes les sauces, là, dans tous les sens. Ah bah non, je vais même pas être sucé, je vais être pendu. Moi, j'aurais tout perdu. Moi, j'aimerais... Tu veux qu'on te suce avant? Ah bah ce serait avec grand plaisir parce que attends le gars mon gars là il est né par césarienne et il sera pendu au lieu d'être sucé, il aura jamais touché une femme de sa vie, le gars il a rien compris, tu vois, c'est pour ça, donc là allez-y, c'est beau. Et du coup, qui est-ce était le fidèle corrompu? Le fidèle. Ah, c'est Maillard. Maillard était le fidèle tentaculaire et corrompu. C'est maîtresse, s'il te plaît. Je sais pas, dans la cave où je suis, je ne vois pas bien. Et B-Boy, tu étais un vampire tout à fait normal. Finalement. Bon, et ben écoute, ce fut un plaisir de faire tous votre connaissance et votre rencontre. Vous avez vu, Brave Jean, par contre, avant, les fantômes qui hantent les espoirs et les espérances de notre peuple. Voilà, j'étais villageois, donc. Ah bon. Ouais, on le savait. Hein. On le savait. Je le savais, moi aussi. Bon, j'en ai rien à foutre de savoir qui était qui, machin. Moi, je veux juste savoir qui avait voté contre moi, parce que là, la prochaine partie, je vais vous retrouver, je vais vous tuer. Il l'a déjà fait, Liam Neeson, ça marche pas. Ah merde, ça marche ça passe, pas. Bon, écoute, si je dois mourir dans un lit, je préfère que ce soit dans le lit, voilà, de Tenebi. Au moins, ça sent bon, on est bien. Impeccable. Allez, secondes. Tout le monde dans le lit de Tenebi. Voilà, impeccable. On y est. Voilà. Et voilà. Victoire des vampires, bravo. GG, ça. GG. J'étais villageois, belle parfait. Victoire en tout cas. Alors, des vampires. Maîtresse. Mais hier, je l'avais grillé de suite. Quand il commence à faire des théories, c'est que c'est lui. N'empêche, j'aurais dû stick sur la théorie que Porto avait eu un réflexe sur simple villageois et il est resté. Oui. Peut-être j'aurais pu tout sauver. Ah, ouais. Moi, en tant que prêtre, j'étais paumé. Hein. Là, je vous avoue que. Non, il y a pas un manque d'informations sur un prêtre égaré.
Moi, je suis vraiment content d'être tombé sur Villageois encore parce que je peux l'annoncer. Du coup, vous guaquez psychologiquement et vous vous retournez tellement la cervelle, c'est beau. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que sans l'oracle, sans le prêt, ça devient. Enfin, et puis surtout, sans la. Ah, écoute, c'est le jeu qui veut ça. Et on aurait eu le manque de chance. Les vampires auraient eu le manque de chance et ça aurait été un vampire dès le début, ça aurait été vachement plus tendu pour eux, tu vois ce que je veux dire. Donc, dans l'absolu, c'est... Il faut rouler les dés aussi de temps en temps. C'est vrai qu'ils ont éliminé les plus importants. Le truc, c'est que Roi Louis mange une. Ouais, je peux pas dire mon rôle, il est trop important. C'est une boulette de ma part. Hein. Je voulais protéger l'insomniac, je me suis trompé de voix sur le Discord. J'ai protégé la mauvaise personne. Il a protégé le maître des ténèbres. Le maître des ténèbres. Mais tu sais, t'as le vampire qui est là, enfin t'as la vampiresse qui est là dans son cerveau. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous bénis, ma fille. Mais arrêtez. Il met du sucre autour de mon cercueil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine session de vampires. Et puis, ça va être très très bientôt sur la chaîne. Exactement. En attendant, merci d'être là. Et à bientôt. Félicitations à la seigneuresse Compadine. Impeccable. Des bisous.